Allô? Allô? Est-ce que... Ah non, c'est bon. Voilà. Donc, c'est... Je vais jouer à Echo, hein, Echo The Tide of Time, Echo 2. Parce que le premier, non. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Hein, normalement, il y a mes temps qui sont affichés là. Voilà. Alors, je pourrais pas trop regarder le chat à cause de mon setup pendant la run. Rune. Non, la rune, ça, c'est des trucs où tu écris. Je vais juste vérifier un truc qui est bien parce qu'en fait, j'ai découvert. Je fais juste un petit test parce qu'en fait, j'ai découvert que mes splits. Ben, il marchait pas très bien. Donc, je vais juste arranger ça vite fait. Et... Parce que j'ai pas envie de recommencer en cours de run, me rendre compte que mes splits ne marchent pas. Enfin, ils marchent, mais c'est globalement avec... Enfin, bref. Ah, c'est bon. Bon. Donc, je répondrai un petit peu à la question à la fin du chat. Aussi, l'estimate est assez large, puisque mon PB est de 41 minutes. Disons qu'en début de run, j'ai un tout petit peu de chance de me faire foirer. Une chance sur 4. Et la run est foutue au cas où, vu que l'estimate est large, je ferai semblant de dire que, en fait, en fait, le jeu il a crashé et puis j'aurais secrètement fait planter le jeu. Il est super dur comme jeu, oui. Enfin, il est super dur. Il est dur. Mais il a une réputation à cause de journaleux qui n'arrivaient pas à passer en certains stages et... Et en fait, il est dur, mais c'est pas... Voilà, c'est un peu le Dark Souls des jeux de dauphins. Dark Souls, c'est dur. Mais en fait, Dark Souls, quand tu maîtrises, en fait, c'est pas si dur que ça, tu vois. Voilà. Bon, ça, faut arrêter de foutre des comparaisons de Dark Souls de tous les côtés aussi. Hein. Je veux dire, Crash Bandicoot, c'est le Dark Souls de la PS4 maintenant. Donc, ok. Je vais juste... Ok. Bon, j'explique juste le menu, hein, vite fait. La run, parce que la run en hypersent easy mode. Pourquoi easy? Parce qu'en fait, le jeu a une difficulté qui est adaptive. Et si tu joues bien, et en fait, t'as pas vraiment besoin de jouer bien, le jeu va passer en mode normal. En mode hard, pardon. Et donc, si je le fais en mode hard, et ben, la run va faire plus d'une heure. Parce qu'il y a des stages qui sont super longs. Et en fait, personne ne run ce jeu en mode hard. Personne. Donc. Donc là, alors l'histoire. Alors l'histoire là, je suis tombé. Parce que ses potes ont été arrachés par des aliens en fait. Enlevés par des aliens. Et j'ai été. Je suis revenu. C'est bon. Je suis revenu sur Terre. Après avoir poursuivi le boss. Vortex Queen. Et donc là, je la poursuis encore. Parce qu'elle est retombée sur Terre. Donc voilà, là je traverse. Ces stages, c'est. Ouais, en fait, ces stages, c'est. On appelle ça les stages 3D. Bon, je sais, c'est pas de la 3D, hein, c'est de la 2,5D, mais je veux dire, par là, il y a bien des enculeurs de mouches. Bref. Alors, c'est la seule difficulté de ces stages. Et ben, c'est que. C'est juste. Il y a des fois des anneaux qui sont en hauteur. Très en hauteur. Et ils sont assez relous à les attraper. Ça prend 3 secondes. Il faut vraiment calculer 3 ans à l'avance pour pouvoir en choper un. Donc ce qu'on espère, c'est qu'il n'y en ait pas énormément dans ces niveaux. Il y a aussi pas mal de skips dans ce jeu. Là, je vais en faire un, par exemple. Voilà, ça c'était un skip. Alors je me demande si ce skip est pas volontaire. Tout simplement qu'il est tellement simple à trouver. Et le stage est en fait assez relou, ce niveau. Alors vous me verrez aussi très souvent rebondir contre les murs. En fait, c'est quasiment humainement impossible à finir ce jeu sans rebondir contre les murs. À cause de la vitesse, très mauvais stage. À cause de la vitesse du perso. Il est très rapide en fait. Sonic, il est très lent. Non, mauvais calcul. Et comme je parle à côté, ben ça. Toi, c'est pas vraiment à pas faire du caca. Donc le world record du jeu est à 39 minutes 43.
Mais j'ai envie de dire, comme il y a un nouveau skip qui a été découvert, et comme le record est tellement optimisé que... voilà. Ça a vite fait le calcul. Donc, je peux pas regarder si tout marche bien. Ah, je peux pas regarder. J'espère que tout marche bien. Je pourrais faire un petit alt-tab d'ici 30 secondes pour voir si tout va bien. Parce que j'aurai une petite scène inskippable. Ah non, j'aurais pas dû parler là. Et merde. Ok. Et merde. Merde. Ok, j'ai fait une connerie. Je vais restart. J'ai pas le choix. J'ai fait une bourde. Ok. On va parler tout de suite de l'écho Dreamcast. Ok, j'ai fait une connerie. Je vais restart. Heureusement que c'est qu'au début. Si je me plante au niveau en question, je restarterai pas. Ok, apparemment, il n'y a pas de problème. Je suis surému. Mais là, j'ai fait une petite connerie. Parce que quand je m'entraîne au local, en fait, j'ai certains réflexes. J'ai des réflexes. Et là, je viens de me taper un de ces réflexes, en fait. Que j'ai quand je m'entraîne en local, que quand je me plante. Donc. Je suis un sac, désolé. Je suis un sac. J'y peux rien. Heureusement que c'est tout au début. En fait, ce serait bien de me dire maintenant s'il n'y a pas eu de soucis. Avec la vidéo, en fait. Parce que je vais éviter de refaire la même chose. Je vais éviter de alt-tab ou faire des choses du genre. Ok. Ok, est-ce que c'est bon? Je vais juste attendre. Oh oui, c'est bon, la vidéo a bugué. Et en fait, ce que je vais faire, parce que là, j'ai mon cerveau qui est un petit peu brain fart. Ce que je vais faire, c'est que... Je vais me taire pendant que je sais que je risque de me planter. Parce que là, je me suis planté. Ok. Ok, je vais juste faire un tout petit assort si c'est bon. Ok, je me mets sur le menu. C'est là, en fait, Sega va normalement sortir une Mega Drive Mini. Et je l'attends vraiment si à ce jeu, ça va m'éviter de faire des setups malgaches pour pouvoir capturer correctement ce jeu. Ok. Bon. Écoutez, s'il y a un problème, je fais la run en entier, s'il y a un problème, je la referai. S'il y a un problème, c'est-à-dire que si en fait, il y a l'image qui bouge pas. Ce qui peut arriver. Ce qui m'est déjà arrivé de faire un stream en entier, et en fait, je m'en rends compte que en fait, le jeu bougeait pas. Parce que c'est du caca. Allez. Donc on va reprendre. Ok. Donc est-ce que je serai donc Echo, c'est on va pas repasser sur l'histoire hein, parce que j'ai déjà expliqué, il y a des aliens tout ça. Alors Echo, donc ECCO, ça veut pas dire Echo. Vous savez le jeu de mots Echo, hein, ça veut dire Earth Coincidence Control Office. Et c'est pas des conneries parce que disons que c'est un peu inspiré des écrits des recherches scientifiques de John Celili. Sur la drogue, tout ça. Et donc, en fait, je me demanderais si Echo, parce que c'est un petit peu le bordel, ce jeu. Je me demanderais si Echo, ce serait pas, en fait, enlevé par les aliens dans le premier, sauf qu'il est bloqué dans une sorte de truc à la Matrix, là. Ou un truc du genre, tu vois. Parce que... Voilà, ça n'a aucun sens. Parce que après là, je vais aller dans le futur. Pour revenir dans le passé, pour aller toucher des boules. Voilà. Ça n'a aucun sens. Donc, skip, le skip le plus simple du jeu, je pense. Quoique peut-être le plus deuxième plus simple du jeu. C'est un skip que j'ai découvert en faisant le jeu en casual. Parce qu'en fait, tu joues à ce jeu, tout le monde découvre ce skip. Tout le monde. Ok, là, je suis obligé de me ralentir un tout petit peu. Parce qu'il y a une physique très particulière dans ce jeu. Au niveau des rochers. Donc oui, je disais, c'est humainement impossible de finir ce jeu sans toucher les murs. Tellement tu vas vite.
C'est impossible. Ok, donc là. Les méduses, c'est le mal. Ça, c'est l'une des phases les plus techniques de toute la run. Là, j'étais un petit peu trop haut. Donc là, voilà, là, je prends le cristaux. Cristal. Donc ces cristaux, en fait, c'est des, je sais, c'est des cristaux, ça donne des clés. Et en fait, tu ouvres la porte avec. Et moi, je me mange toutes les méduses. Donc voilà, là, je reprends le deuxième cristaux, cristal. Voilà. Et je le reprends pas une troisième fois. Enfin, ne pas y aller une troisième fois. Et surtout pas. Enfin, si tu prends une troisième fois, t'as l'air très con. Donc là, je vais utiliser Franklin la tortue. C'est un communiste. J'attends juste... Ah ben tiens, normalement je dois toujours attendre un tout petit peu. Un tout petit peu que... Un tout petit peu. Donc là je vais parler à un dauphin qui est un petit peu différent. Et il va me foutre dans le futur. Oui, c'est normal. Donc là il dit je viens du futur, blablabla. Ok, je crois que j'avais oublié de split. Enfin, oublié de... J'aimerais bien le tab, bon, s'il n'y a pas de problème, mais je peux pas, parce qu'avant j'ai alt tab et ça m'a fait un problème encore plus que ce que je devais. Faut pas, c'est mal de planter. Donc là, voilà, je vais dans le futur. Je suis dans le futur. Ok. Donc là... Un skip un peu plus difficile dans ce niveau. Qui est un petit peu plus précis, mais ça reste... ça reste gérable, si je me concentre, en fait. 3 à gauche. Oh. Oh, j'espérais pas le faire du premier coup lors du marathon, en fait, si. Parce qu'il est pas dur comme skip, ça, j'arrive pas à me positionner. Reset, rush kit. Voilà, c'est passé salement, mais c'est passé du deuxième essai. Normalement, je le passe toujours... En fait, non, pas toujours, mais je le passe très très souvent du premier essai. C'est juste parce que je parle. Et voilà. Ok, là, il faut juste que je fasse gaffe. En fait, je peux me faire troller par ce cristal, dépend comment. Donc, ouais, il y a un stage dans ce jeu. En fait, ce qui est assez difficile, c'est le stage où je suis le plus entraîné, évidemment. Qui est très technique, qui est le stage suivant, et si je me plante dans le niveau suivant, et ben en fait je recommence au niveau d'avant, celui que je viens de finir. Du coup, prochain stage, je vais me focus, parce que la run est finie. Et comme j'ai déjà fait un reset, et que j'ai dit que je ferai un reset si je me plante dans ce niveau, le prochain niveau, et ben je le ferai pas. Je le ferai pas. Et j'ai une toute petite chance de me faire troller dans le prochain stage. En fait, une sur 4 environ. Du coup, je venais de focus là. Oh le con! Ok. Ah non. Ok. J'aime pas du tout ça. Je me suis planté complètement. Dommage. En temps normal, j'aurais pu limite retomber si tu refaisais pas de niveau, mais là, j'ai dû me rattraper très lentement. J'ai dû me rattraper très lentement pour... Et merde, j'aurais pas dû le faire. Non, c'est bon. Juste une chose, j'ai une toute petite chance de faire un PB, hein, même si je me suis planté là. Parce que mon PB, disons que je me suis un petit peu planté tout à la fin du jeu. Et que j'ai perdu environ 2 minutes. Mais le stage d'avant que je viens de faire, je le déteste. Ok, c'est bon. Ce que je viens de faire là, ce saut là, est assez risqué en fait, parce que si je le loupe... Normalement, t'es censé prendre un dauphin et le... Et y aller tout lentement. Et si tu loupes, en fait, tu recommences le niveau depuis tout le début. Et tu veux pas recommencer depuis le début.
parce que c'est pas bien quand tu recommences du début. Et là, je stresse encore d'avoir failli me planter sur Medusa. D'ailleurs, tu peux Medusa, petite anecdote, il y a beaucoup de journalistes qui avaient testé le jeu et qui ont jamais réussi à passer ce niveau. Et du coup, ils avaient défini le jeu comme impossible, tout ça, etc. Enfin, je veux dire, les journalistes, hein. Quand tu vois qu'ils arrivent à comparer Crash Bandicoot et Dark Souls. Donc, stage 3D, c'est le stage 3D. Enfin, c'est de la 2,5D, on s'en fout, mais bon. Ah, je l'ai eu. C'est le stage que j'aime bien, ce stage. Et bizarrement, c'est jouable en fait. Ces niveaux-là sont super jouables. Il y a juste la hitbox de ton personnage. La hitbox de ton personnage qui est. Un petit peu. Tu vois, c'est un petit peu un train, quoi. T'as l'impression qu'il fait 50 mètres de long. À part pour les anneaux. Par contre, sur les ennemis, oui, c'est un train. Ok, donc là, Eagle's Bay, autre skip que j'ai découvert. Donc là, je me plante un petit peu parce que j'ai un nouveau setup que j'ai découvert juste avant pour ce stage. Sauf que, ben, comme c'est un nouveau setup et comme ce jeu, c'est que de la mémoire musculaire à 99%. C'est pas terrible. Ok, first try, voilà. Donc, on sait tous que les aigles, eh ben, ça lance des oiseaux dans les rochers, ça te permet de faire traverser les rochers. Parce que c'est les aigles, j'ai vu ça sur dans les reportages animaliers. Ok, là je vais pas y aller trop vite parce que je peux faire des pop très facilement ce cristal si je le mets trop à gauche, je ne sais pas pourquoi. Ok, depuis quelques jours, j'arrête pas de me planter ici. Eh, je me suis pas planté. Lâche-moi, enfoiré. Oups. Vite le guide primage, c'est plus où je vais. Ok. Ok. Donc là, il y a une espèce de verre. Ok, j'avais un peu peur que j'ai cliqué à côté de la speed parce que si je mets le jeu en focus. C'est-à-dire que le jeu en focus, en fenêtre prioritaire, et ben OBS ne capture pas. Du coup, je suis obligé d'avoir live split en fenêtre prioritaire. Et comme là, pour me faire pas influencer, j'ai mis live split dans un petit coin en bas à gauche. Donc là, j'ai touché l'astérite. L'astérite, c'est une sorte d'entité, machin truc. Et là, donc, je retourne dans le passé. Donc, où j'ai commencé dans le passé avec la boule disco. Parce que c'est tout à fait normal. Et que c'est pas un jeu japonais. Donc le scénario est tout à fait normal. Voilà. Si ce sera un jeu japonais, on pourrait se foutre de la gueule, mais là. Ah oui, juste parler vite fait de Deco Defender of the Future, celui sur Dreamcast. Alors, celui-là, c'est vraiment le Dark Souls des jeux de dauphin en fait. Il est super super dur, c'est abusé. À cause de la 3D. Mais ce n'est pas un jeu qui est canon. En fait, Echo Defender of the Future, en fait, c'est un petit peu comme Broly. Il n'est pas canon. Et surtout que ça n'a pas été écrit par Ed et le scénario de Defender a été mal reçu en fait. Il est trop simpliste. Il n'y a aucun côté tordu comme dans celui-là. Mais ça reste un bon écho, hein, celui sur. Tu vas me suivre, espèce de petite merde. Allô ? Allô ? Ah putain. Donc là, alors oui, je dois aller chercher les boys de Willy. Alors je sais pas comment il s'appelle, mais je l'appelle Willy parce que c'est un orc. Parce qu'ils sont perdus en fait. Parce qu'ils sont pas, ils sont un peu cons. Par exemple, en mode hard, ce stage, et ben en fait, il faut en sauver 12. Et par contre, là, comme je parle, je fais n'importe quoi. Il faut en sauver 12. Et 12, c'est plus que 4, tu vois. Donc, j'ai pas envie de sauver 12 Willy pour faire plaisir à l'autre couillon. Parce que je le déteste. Il y a deux niveaux là que je déteste, ces deux niveaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut les suivre. Il va falloir que je suive Billy Junior, Willy Junior. Et le problème en fait, bah, c'est que tu peux les perdre. Et si tu les perds, tu dois recommencer toute la phase que tu les suis. Et comme je suis en train de parler, je risque très probablement de faire du caca. Et j'espère pas. Enfin, c'est surtout le niveau d'après que je déteste. Parce qu'il faut suivre un dauphin. Et bah en fait, il est super simple à perdre. Enfin, super simple quand je parle. Ça m'arrive de me planter. Donc là,
je vais attendre un tout petit peu histoire d'être safe. Hein. Voilà, parce que en fait, si je saurais où je trouve la sortie du niveau. Ok, c'est bon. Si je savais où se trouve la sortie du niveau dès le début, eh ben ça n'aurait servi à rien parce qu'il y a des rochers qui bloquent la sortie du niveau. Et si t'arrives à bypass la sortie du niveau, eh ben en fait la sortie du niveau elle n'existe pas. Donc là je suis obligé de suivre un autre. Ok, un autre enfoiré. Alors je sais pas comment je l'appelle, je vais l'appeler Flipper. Je vais me concentrer un tout petit peu parce que là, c'est pas dur. Mais je fais du caca quand je parle sur cette phase. Et en fait, je suis en train de parler. Et merde. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4. Ok. En fait, le plus dur, c'est là. Parce que si tu loupes les sauts, il part super vite. Et si tu loupes les sauts, il se casse et il dit qu'il s'est perdu, que tu t'es perdu. Mais en fait, non, tu t'es pas perdu. C'est lui qui est trop lent. Donc le stage s'appelle Four Island parce qu'il y avait 4 îles et merde, non c'est bon. Et en fait tout ça pour qu'il me donne un pouvoir, sauf que ce pouvoir cet enfoiré il aurait pu me le donner dès le début. Pour pouvoir détruire des rochers. Alors normalement là je dois en trouver un deuxième. Alors, par contre là je vais back up life. Je devrais en trouver un deuxième pour qu'il m'indique la sortie parce que la sortie est... ça c'était la sortie en fait. Mais normalement t'es censé en trouver un deuxième qui va te dire... Donc là, je viens juste de tuer un alien dans l'océan, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un jeu japonais. Parce que l'alien, il fait très très mal. On sait tous. Ok, donc là, je prends deux fois ce glyphe. Normalement, je sais pas si c'est un bug ou pas, parce que tiens, on a un autre. Pourquoi je vais tout lentement là? Faut arrêter un petit peu. Bonjour, je vais jouer à Echo the Dolphin, c'est un let's play. Alors là, je pousse un cristal. Enfin, c'est pas un cristal, c'est une étoile. Et mais non, je me suis planté là. Je suis un autiste. Y'a pas moyen. Ok, c'est très très rare que je me plante là. Ça arrive des fois. Mais en fait, j'ai voulu aller trop vite. Et plutôt que de ralentir, ben, je l'ai poussé un tout petit peu trop. Un tout petit peu trop. C'est le truc le plus stupide que tu peux faire dans ce niveau. C'est de faire ce que je viens de faire là. Ça aurait été mieux que je meure dès le début du stage. Plutôt que de faire ça. Sinon, parlant de mort, le jeu est pas très punitif en fait. Enfin, il y a certains points c'est ultra punitif. Et d'autres c'est pas très très punitif. Par exemple, de mourir dans ce stage, si je serais mort sur l'alien au début, eh ben, ça aurait pas été punitif. Par contre, là, ce que j'ai fait, c'était stupide. Okay, donc ce stage là, normalement, je suis obligé de me transformer en méduse. Pour pouvoir le passer, mais en fait, si je gère assez bien sur les dégâts, ça devrait aller parce que les méduses font super mal. Mais en fait, il y a une petite astuce en utilisant le sonar et le dash qui permet de passer sans trop crever. Ok, Gateway. C'est peut-être le deuxième stage 3D le plus pas dur, mais casse-couille du jeu parce que en fait, je peux pas. Enfin, je peux bourrer le dash, ouais. Enfin, l'attaque. Sauf que ça... Mon perso, il va... un petit peu devenir incontrôlable. Et ça fait ralentir le jeu. Du coup, le stage-là est un petit peu plus lent que les autres. À part avec le final, parce que le stage 3D final, on en parlera plus tard. Oh, mais non! J'ai essayé de faire le gros saut là, sauf que ça voulait pas. Ça ne voulait pas faire de gros saut. En fait, je suis con, je me rends compte, j'aurais pu mettre le stream sur mon portable. Pour voir s'il y avait des soucis. Je peux pas trop. Waouh, j'ai envie de me gratter. Voilà. Et comme je vois pas mes splits tourner, je sais même pas si tout va bien. J'espère que oui. Sinon, ça fera vraiment chier. Ok, donc Sea of Green. Je sais même plus où j'ai mis mes splits maintenant. Attends, oui, il y en a un après Moray Abyss. Donc là, je vais donner un poisson à un autre dauphin qui fait exactement les mêmes mouvements que toi. Et en fait, c'est l'autre dauphin, c'est Echo, qui est bloqué dans une sorte de timeline. Bordel. En fait, ça n'a aucun sens.
Donc bouffe-le. Merde, 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 merde. Ah putain. Bon, ça va. Des fois, je sais pas pourquoi, c'est pas en saut qui est difficile. Okay, faut que je backup en peu de life. C'est pas en saut qui est difficile, mais parfois, ben... Des fois, je me reprends plusieurs fois. Là, par exemple, il m'a fallu deux fois. Bon, des fois, je me reprends 15 fois, parce que... Bon, si je me reprends 15 fois, là, je... What the fuck? Première fois que j'ai ça, le rocher, il a des pop. Hein. J'ai pu passer beaucoup plus vite que d'habitude. Non, là, je suis trop bas, c'est après, en haut. Ok, donc on va arriver sur le premier boss du jeu, Moray Abyss. Ah. Faut pas que je merde. Ok. En fait, ce boss, il faut le pousser tout au fond pour qu'il se montre. Oh, le couillon! Ok, c'est bon, je serais mort là, ça aurait pas été punitif. Enfin, très punitif. Et le truc, en fait, c'est que... Sérieusement! Le truc, en fait, c'est que... Il va très lentement. On a découvert que si tu poussais la coquille comme ça... Et ben, il allait plus vite. Par contre, faut faire super gaffe. Ok, là, il faut vraiment que je backup. Il faut faire super gaffe parce qu'il y a des monstres un petit peu partout. Et quand j'arrive au fond, j'aimerais avoir au minimum 2 carrés de vie. Ah, mais là, c'est sérieusement, je devrais pouvoir le pousser là. Ah non, c'est bon, ok, il sort. Faut surtout pas que je touche l'espèce de dragon rouge là, parce qu'il one shoot. Hein. Ok, sérieusement, le plus dur c'est juste se placer correctement. Non, 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 oui. Je vois pas où j'en suis parce que là. Ok. Ok, parfait. Ouais. Ok. J'espère tellement pas qu'il y a eu de problème technique, sans déconner. Ça me pèterait tellement les couilles. Ouais, mais je suis outil. Ah oui, mais non. En fait, c'est en let's play. Vite le guide primage, c'est plus où aller. J'aimerais bien rentrer dans le trou. En fait, c'est la première fois que je fais le jeu. Okay, donc là, maintenant, je dois chercher des boules. Je dois chercher des boules pour pouvoir reconstruire l'astérite. Donc le truc qui m'a, vous savez, l'espèce d'ADN géant qui m'a renvoyé dans le passé parce que j'étais vraiment dans le futur. Voilà. Ah, il y a un bug qui est super agaçant avec ça. En fait, si je rentre trop vite dans un de ces cerceaux, ben en fait, j'ai une chance de les perdre. C'est relou. Ok, The Eye, le stage le plus long du jeu. C'est un stage de 6 minutes. Sauf que... Sauf que merde, j'ai autre chose à foutre. J'ai autre chose à foutre que de faire un stage de 6 minutes. Hein, donc voilà. Bon, sauf que c'est pas facile à faire. Enfin, ce skip demande... What the fuck, j'ai réussi du premier coup. C'est un skip qui est pas si simple à faire. Et en fait, il faut juste un bon timing. Et j'ai réussi à le faire du premier coup. Les deux fois. Yay. Alors, je pourrais aussi faire ce skip dans ce niveau. Sauf que j'ai plus de chances de... J'ai oublié de parler à... Comment il s'appelle, lui, déjà? Je sais plus son nom. On va l'appeler Robert. J'ai plus de chances de me softlock... dans ce stage que de réussir à faire le skip en fait. J'ai essayé avec les save states en émulation, j'ai essayé de le faire une centaine de fois. J'ai peut-être réussi que deux fois à pas rester bloqué. Donc merde. Et le gain de temps est trop ridicule pour pouvoir prendre le risque. Ok, donc Deep Rage, c'est aussi un stage où il faut ramasser des boules, sauf que le stage là, il n'y a pas moyen de le skipper. Le seul qui a vraiment moyen de skipper, enfin le gros skip majeur du jeu, c'est celui que je viens de faire avant.
Donc là, j'ai ramassé deux boules. Parce que, voilà. Et je les ai mis dans la... Je suis rentré avec mes boules dans le cercle. C'est un jeu freudien. Ok. J'ai beaucoup de peine avec ce stage, hein, si jamais. Arrêtez de me taper. Ok. Et merde, j'aime pas ça. Là, je suis rentré un petit peu vite. Non, c'est bon, je pense. C'est bon. Il faut vraiment rentrer à pleine vitesse. Ça m'est déjà arrivé. Je crois que de les perdre, ça m'est arrivé 3 fois, en fait. Du coup, voilà. Mais il faut vraiment aller très, très, très vite. What the fuck? Elle est où, l'autre? Ok. J'ai cru qu'elle avait des pops. En fait, c'est là qu'il faut juste que je me gaffe. C'est là que j'ai tendance à les perdre. Encore deux. Et après, je peux terminer ce... Et merde! Ok, c'est ça que je parle. Là, j'ai des... Oh, putain! Il faut absolument que ce glitch se passe pendant que je run, quoi. C'est abusé. C'est abusé. Alors que j'ai fait des centaines de runs sur ce jeu. Et je l'ai eu que 3 fois. Ce foutu glitch. Je suis dégoûté. What? Ok, j'ai eu peur. Bon, moi c'est pas super punitif, mais ça fait un petit peu chier. Là je crois que je suis faux, attends, je me suis fait déstabiliser. Je crois que je suis faux. Non, c'est bon, je suis juste. N'importe quoi. Ok, autre stage. Alors ça c'est un stage, normalement tu dois te transformer en requin. Parce que les requins te font super mal dans ce niveau. Et que tu perds ton oxygène à partir d'un stade 5 fois plus rapidement. Sauf qu'en fait le requin il est rapide, il est très rapide, sauf qu'il sait pas tourner en fait. Tu peux pas aller en haut en bas comme tu veux. Du coup ben, si tu veux faire ce stage même en casu sans se transformer en requin, tu es obligé d'aller très vite. Ok, c'est bon. Ok, Secret Cave. C'est un autre stage 3D. 2,5D. Veuillez rentrer dans le cerceau. Ce stage est pas dur. Parce qu'il suffit juste d'avancer. Et comme tu peux... Il n'y a pas de délai avec tes attaques dans le mode 3D. Contrairement au mode 2D. Et ben, les requins, tu t'en fous, quoi. Prends un gratte, c'est affreux. Ok, cerceau en haut. Merde. Bon, là, j'ai fait n'importe quoi. Mais ceux que je loupe vraiment, c'est ceux qui se trouvent en hauteur. J'ai vraiment une peine monstrueuse à me les taper. Enfin, qui sont en hauteur, très en hauteur. Ok, Lunar Bay. Je pense que c'est mon stage favori dans ce jeu. Là. Ensuite en... Merde, quel con. Mauvais timing. Là. Je voulais pas le détruire. D'ailleurs, c'est la première fois que j'arrive à le tuer, lui. Enfin, je le tue. Donc, je touche le cristaux. Le cristal. Là, je vais là. Ensuite, je descends. L'arrêter de taper contre les rochers. Là... Ensuite je vais là, je monte. Veuillez arrêter. Ensuite je vais là. 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 Donc là je vais avoir des aliens qui vont me faire des attouchements et je vais me retrouver dans le futur.
Voilà, là je suis dans le futur. Ce stage-là, il n'est pas difficile, mais en fait c'est le stage le plus dur de toute la run à cause d'un skip. Il y a un skip qui est très dur à faire dans ce niveau. Et je vais le faire parce que je connais pas la route du stage normal en fait. Du coup, voilà, skip très dur à venir. Et de loin le skip le plus dur de tout le jeu. Peut-être de toute la série en fait. Ouais, le plus dur de tout le jeu, je pense pas de la série, mais du jeu, oui. Parce qu'il est ultra précis. Donc là, j'active un checkpoint. Point. Checkpoint. Ah, le con! J'étais sûr que j'allais me planter. J'étais sûr, mais à 100%, que j'allais faire cette connerie dans ce stage. À chaque fois, je la fais. Enfin, pas à chaque fois, mais à chaque fois que je parle, je la fais. Je déteste ce skip. Yay, troisième essai. Ça va, ça aurait pu être pire. Ça m'arrive. En fait, ça m'arrive très rarement de le faire du premier coup. En général, je mets toujours 3, 4, 4 ou 5 essais. Donc là, c'est plutôt pas mal. En fait, le problème de ce skip, c'est que le saut est tellement précis que si tu le fais au mauvais moment, eh ben, t'es sûr de louper. Il faut vraiment le faire exactement. Yamete, il faut vraiment le faire exactement au bon moment. Et mais j'arrive pas à appuyer sur ma diagonale là, sans déconner. Voilà, diagonale. Arrêtez les conneries. Cool. J'ai gagné un peu de temps là en réussissant en remontant directement. Non, j'ai pas réussi à gagner du temps. Veuillez arrêter de faire le con. Yamete. J'aimerais remonter, voilà. Jeu de merde. Ok, donc là, Black Cloud. J'aime bien ce stage. What? Wow, c'était bizarre ça, ce qui vient de se passer deux fois de suite là. Je me demande s'il n'y aurait pas moyen de faire un OB avec ça. Yay. Veuillez arrêter. Non, y a Mété. Voilà. Ok, dans ce stage, en fait, il y a un autre skip que personne ne fait parce que c'est aléatoire. T'as juste une chance sur 5 de le faire environ. Et c'est à la frame. Et il faut tomber sur certains pixels. Mais je vais le tenter pour le lol. Non. Il faut tomber sur exactement un certain point et... J'ai des chances de crever là avec la technique que j'utilise. Non, c'est bon. Mais j'ai des chances aussi de me faire propulser vachement plus loin et de... Enfin, le skip en fait, il est tellement pas rentable que... Voilà, mais tu peux toujours le tenter. Mais par contre, tu peux tomber. Tu peux tomber où tu sais pas trop et en fait t'es un peu dans la merde. Donc je me rends compte que j'aurais pas dû le tenter. Ok, autre skip maintenant. Qui était extrêmement facile. Je pense que c'est peut-être le... C'est le deuxième plus simple du jeu en fait. Il faut juste bien se positionner. Il faut faire ça. Il faut appuyer sur le bouton. Et c'est un skip. Je déconne pas. J'ai skippé une grosse partie du stage. Enfin, grosse. Je sais pas en fait. Je sais pas ce que j'ai skippé environ. Mais j'ai skippé beaucoup. Ça, c'est le plus important. Ok, je peux gagner du temps là. Je peux gagner du temps sur. Yay. Sur mon PB. Alors, je sais pas combien de temps là. Je pense que je dois avoir, je dirais au pif, une minute trente de retard par rapport à mon PB.
me suis pas planté. Pff, je fais un petit peu le con là. Ok, ce boss, c'est Global Dare. Et c'est particulier. Faut, en fait, ce jeu, pour comprendre ce boss, faut le faire en casual, ce jeu. Pour comprendre à quel point c'est tordu. C'est... What the fuck? J'aurais dû crever, là. Je vous promets. Encore un. Je crois. Est-ce que tu veux te suicider? Saloperie de boule. Waouh. Ouais, ça paraissait simple. J'ai juste merdé au début sur le rythme. Mais ce... Je dis, faut faire ce jeu. Pour comprendre ce boss. Pour comprendre votre rage. Quand on sait pas ce qu'il faut faire sur ce boss, en fait... Tu mets peut-être une demi-heure déjà à le détacher. Parce que tu vas faire pas ce que j'ai fait. Ok. Donc, convergence. Qui est le niveau... Alors là, je vais dire un truc. Vous savez, le bug des boules, que tu les perds. Faut pas les perdre, là. Parce que si tu les perds là, ben je débug menu et j'utiliserai une quick save. Je sais pas, j'ai même pas de quick save là, merde. Ok. Donc, je vais activer. Alors là, il y a le checkpoint, j'en ai pas trop besoin. Enfin, quoi que je risque encore de crever. Mais en fait, le bug, il y a un bug horrible dans ce niveau. Si tu meurs sans réactiver le checkpoint, ben en fait, t'as la musique, elle change. Et c'est la musique la plus pourrie du jeu. Là, je viens de faire un skip. Hein. Je pense que ça, c'était le skip le plus simple du jeu. J'ai skippé une grande partie du stage. Alors, c'est un stage qui est assez difficile. C'est un auto-scroller. Alors, c'est pas l'auto-scroller de l'enfer de premier écho. Sauf que c'est un. Putain, ça me crête. Sauf que. C'est un auto-scroller assez dégueulasse. Parce que vous voyez que ça va quand même assez vite. Là, j'ai fait un gros. Enfin, j'ai même pas ce que j'ai skippé. Ça doit quand même être assez gros. En fait, faut pas crever. Faut pas crever écrasé. Faut pas crever contre les ennemis. Bon, les ennemis, je sais où ils sont. Voilà, il y a un alien qui est venu. Ah oui, donc là, j'ai gagné comme pouvoir. J'ai l'oxygène illimité. Et ma vie se remplit à mesure, mais on s'en fout que la vie se remplit à mesure. Surtout, je crois que ça fait que dans ce niveau. Ok. Donc là, faut juste que je fasse gaffe de pas... Et merde! Ok. Ces espèces de vers qui sont là, il faut que je me méfie à fond parce qu'ils sont super dangereux. La plupart des morts que je me suis tapé dans ce niveau, c'est à cause de ces vers. S'ils arrivent à te toucher, t'as beaucoup de chances de crever, donc... Et comme je... Quand ils sont touchés, je me prends pas de dégâts, ben je profite. Ok, boss de fin. Vortex Queen. Alors, c'est possible de la faire en un cycle. Sauf que c'était extrêmement difficile. Non, même pas. En fait, j'étais trop éloigné. Je crois que j'ai réussi une seule fois à la faire en un seul cycle. Il faut la toucher 8 fois en tout. Alors, il y a deux solutions pour faire le cycle. Le 1 cycle, soit que tu fais un rythme particulier. Soit que tu fais un certain rythme. Et que... et que tu arrives. Ou soit que tu bourres comme en dératé. Mais j'ai l'impression que tu vas avoir un certain rythme. Et voilà, j'ai fini le jeu. Sauf que c'est pas fini. Je vais pour Alt-Tab. Ah oui, j'ai quand même 2 minutes de retard. Merde, c'est nul. Où j'ai perdu autant que ça? J'ai perdu où autant de temps que ça? Attends, Morey. Vortex, Global Dare. Ah oui, au skip, peut-être. Ouais, au skip. Bon, ça va.
Attends, je vais peut-être remettre le jeu. Donc là, ça c'est le crédit de fin, si jamais. On n'a toujours pas trouvé comment skipper les crédits de ce jeu. Un crédit skip quand? Bon, si je me plante pas, je peux gratter une minute. Je pense. Le jeu là n'est pas fini. Celle-là, t'es tout content, t'as fini le jeu. Bon, le plus difficile est fait. Le plus difficile est fait encore. Il reste. Ah oui, non, il reste le dernier stage 3D. Le dernier stage 3D est très dur. D'ailleurs, c'est là que j'ai foiré ma run et que j'aurais peut-être pu double VR. Si j'aurais pas foiré sur ce stage. Ok. Ok, ce stage 3D est hard. Hein? Putain! Je voulais surtout pas. Le seul que je peux me permettre de louper. 2. 3. 4. Putain. Mais non, mais je suis pas d'accord là. 5. 6. Je peux encore louper 2, hein, si jamais. 7. 8. 9. Putain, je suis dans le caca. 10, encore 2 à choper. Putain! 11, encore 1 à choper. Putain, c'était super limite. Sans déconner, c'était ultra limite. Je hais ce stage 3D. Et je pouvais pas faire les dashs parce que les dashs me font perdre les contrôles de mon personnage. Ouais. Attention, une énigme aussi difficile que les énigmes de Resident Evil. Ok, donc là, ça c'est en bloc. Je pousse le bloc. Oh putain, non, mais je me suis encore planté. Ah non, what? What? J'ai rien compris là, des fois quand je le bloque, je mets 3 ans à le récupérer. Sauf que là j'ai réussi à le repousser apparemment un petit peu à travers le mur. C'est un petit peu bizarre mais je le prends direct. Hein. Donc là je vais repousser en poisson. J'ai dit repousser en poisson. Non tu peux pas le setup directement. Oh cool, j'ai réussi à le setup rapidement celui-là. On redescend, faut pas oublier que je l'ai débloqué ici, le bloc. Ok, j'ai eu peur que je puisse pas passer. J'ai appris quelque chose sur ce niveau. Si on est d'accord, si je meurs maintenant, c'est super punitif. Mais en fait, je vais me gaffer. Ok, c'est une magique arme, là, pourrait juste dégager, parce que là, les ralentissements, c'est l'enfer. Tout lentement. Tout lentement. Je me suis déjà tapé des morts à la con là, juste là. Et en ayant des très très bons temps, je me dis, je perds 10 secondes. Je fonce pas comme un taré et je me fais écraser. Non, là c'est en haut que je dois aller. Ici. Allez, stage final.
J'espère ne pas me planter. Parce que c'est le dernier stage. Ça devrait bien aller, faut juste que je fasse pas le couillon. Parce que si tu fais le couillon, ben c'est pas bien, surtout dans ce stage. Tu déconnes. Ouah, j'ai pu... What? Normalement... Bon écoutez, je vais pas m'en plaindre. Des fois je ralentis, c'est volontaire. Parce que dépend comment cette chose... Alors cette chose là, c'est des embryons du Vortex Queen. Enfin des larves, je sais pas trop quoi. Tu déconnes là. What? Mais non, mais... J'ai jamais... Ça m'était jamais arrivé ça par contre. Ça m'est jamais arrivé, ça craint bordel. C'était vraiment une mort stupide. N'importe quoi. Putain mais casse-toi. En fait celui d'avant qui m'a tué, normalement il est positionné un peu plus de façon à ce que je puisse passer. Voilà. Donc là j'ai fait un petit positionnement pour pouvoir mettre ce bloc directement ici. Normalement il faut le setup. Hein. Sauf qu'il y a une sorte de bug ou je sais pas trop quoi qui le fait tomber directement ici, du coup ce qui est parfait. Ok, là c'est le point. Je veux strictement pas me planter. Parce qu'on est vraiment sur la dernière ligne droite du jeu. Et ça m'est déjà arrivé de me foirer juste là. Oh putain, time. Ouais. J'aurais pu mieux faire. Bah ça va encore. J'aurais espéré secrètement péter le world record pendant ce marathon parce que je sais que c'est possible de le battre. Ouais, 44, ça va. Je sais pas s'il y a des bugs que je pourrais montrer. Enfin, je vais un petit peu montrer tous les bugs du jeu. Ouais, je crois que j'ai un petit peu... Enfin, si, il y en a un, mais il sert à que dalle. En fait, ouais, j'ai un petit peu de tout... J'en peux montrer tout ce qu'il y a d'intéressant, tous les bugs. Le secret password qui ne servira jamais parce que c'était pour Echo 3. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est de mettre une vidéo pré-enregistrée et puis. Non, je déconne. Et puis faire semblant de jouer, j'aurais fait un pipi là. Non, je déconne. Je suis sûr qu'il y en a qui le font en plus. Enfin, pas ici, hein, évidemment. Ici, on n'est pas. Ah oui, je laisse juste le crédit de fin. Le crédit de fin. En fait, le crédit de fin. D'ailleurs, il y avait un truc qui était écrit dans le crédit de fin. Et on s'en est rendu compte peut-être 20 ans plus tard que... Mais en fait dans le 1, à un moment dans le 1, tu vas dans le passé, dans la préhistoire. Et en fait, le moment où tu vas dans la préhistoire dans le premier, mais en fait c'est après le 3, pardon, après le 2. Scénaristiquement ça se passe après le 2. C'est pour ça que c'est un petit peu... Allô. Voilà. Bon ben, moi je sais pas si je ferai une run bonus plus tard. Peut-être Valkyrie Profile 2 si y a le temps. Je ferai pas Echo 1, hein. J'ai essayé de rester Echo 1, c'est pas possible. Il me faudra encore plusieurs mois pour plusieurs semaines. Donc je sais pas si le prochain est prêt. Ah, je sais pas si le prochain est prêt. Oh, silence le son. Ouais, je sais pas si le prochain est prêt. Prête. Bon ben c'est Toad avec... Attendez, laisse-moi essayer de regarder ce que c'est. C'est écrit tellement petit.
Ça a l'air d'être Talos. Non, ouais, c'est l'air d'être Talos. Principe, je pense. J'arrive pas à voir si c'est écrit super. Attends, je vais aller voir sur. Sur Hooper. C'est qui Hooper? Donc, attends, sur le phare, c'est. Ouais, écoutez, je vois juste écrit Talos, j'arrive pas à lire. Donc voilà, bonne soirée. Voilà.